Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Jerem Unboxing Collector, un nouveau rendez-vous vidéo où je vais vous présenter un déballage d'un objet collector ayant rapport avec le jeu vidéo. Et aujourd'hui, pour ce premier numéro, on va s'attaquer à du lourd, à du très très lourd, avec la version collector de Sonic Generations. Alors, c'est la version Xbox 360. Vous pouvez voir par la taille que cette boîte est assez imposante. Et on va tout de suite la déballer pour voir ce qu'il y a dedans. Alors. Donc là, la boîte est déjà très très belle. On voit le Sonic nouvelle génération et l'ancien Sonic. Voilà, ça présage du bon. Car franchement, le jeu est très bon aussi. Puisque c'est remis au goût du jour, les anciens Sonic. Enfin, c'est vraiment pas mal. Et voilà, la boîte elle s'ouvre avec. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve un compartiment qui contient le jeu Sonic Generations sur Xbox 360. C'est pareil pour la version PS3. Et là, ce qui est marrant, c'est que la jaquette est en 3D. Ouh, ça bouge. Alors ici, un petit fourreau. Bien sûr, c'est un fourreau qui se détache et qui laisse, voilà, voir la boîte, le jeu traditionnel, mais qui est sympa, qui contient des codes de téléchargement, notamment des costumes, enfin un costume de Sonic pour son avatar, Xbox Live, et puis des niveaux, des contenus téléchargeables, c'est des niveaux supplémentaires. Ensuite, dans cette boîte, qu'est-ce qu'on a? On a une autre pochette type CD, et oui, c'est dans le mille puisque il s'agit de CD. Alors, on a ici, regardez comment elle s'ouvre, cette boîte, cette pochette, très très belle, vraiment très originale. Moi j'ai trouvé vraiment ça original, la présentation, car ça en met plein la vue quoi en fait. Et on trouve alors ici un DVD vidéo, pour le CD de gauche, un DVD vidéo de l'histoire de Sonic, naissance d'une icône. Ce documentaire retrace l'histoire de Sonic the Hedgehog et vous plonge dans la vie du légendaire hérisson bleu depuis sa création jusqu'à son succès planétaire. Des interviews de collaborateurs d'hier et d'aujourd'hui, ainsi que des vidéos d'archives et des illustrations, vous feront découvrir pourquoi Sonic est un héros irrésistible depuis 20 ans. Alors c'est vraiment pas mal, et ici, sur la partie de droite, sur le CD de droite, donc c'est un CD là, et ça contient pas moins de 23 titres pour les 20 ans des musiques de Sonic. Et oui, 20 titres musicaux avec les thèmes différents. Il y a vraiment de quoi faire et c'est vraiment un très beau cadeau qu'ont pu nous faire Sega pour les 20 ans de Sonic. Et là, avec ce collector, ils ont mis le paquet et ça fait plaisir, surtout pour les vieux comme moi qui ont connu le tout premier Sonic, hein, forcément, sur la console de Sega de l'époque. Et ça fait vraiment plaisir. Alors, dernier point sur ce petit emplacement de la boîte. On retrouve une petite boîte. Et que contient cette petite boîte? Alors là, c'est vraiment un petit bijou. On va l'ouvrir. Voilà. Et voilà, regardez, c'est un anneau, un ring de chez Sonic. Donc ici, on a une petite petit papier qui sert à rien. Alors voilà, voilà l'anneau de Sonic. Alors c'est bien sûr numéroté, car cet exemplaire de ce collector a été tiré en 12 000 exemplaires dans l'Europe et apparemment en Australie. Et c'est vraiment une exclusivité européenne. Et ça fait plaisir de voir vraiment des collecteurs comme ça. Alors, moi, j'ai le numéro 5782. Alors, c'est vraiment très joli. C'est un joli présentoir en velours bleu, type velours bleu. Alors, on met l'anneau ici sur ce velours et après, on recouvre la capsule, la boule, pour faire vraiment très joli. Et ça, c'est vraiment magnifique. C'est assez lourd et c'est assez. C'est un gros anneau, c'est vraiment sympa. Hein. Bon, je pense que c'est pas de l'or véritable, de l'or pur 24 carats, mais en tout cas, c'est très joli.
à la vue et c'est très joli, vraiment, c'est quand même gros. Donc voilà, c'est pas des petits bonus, des petits creators comme ça. C'est bien. Alors ici, on a un livre, le livre Célébration des 20 ans de Sonic Art, des dessins de Sonic. Donc ici, c'est un artbook qui retrace depuis 1991, 98, 2003, 2006, 2008, 2011, tous les Sonic. On peut voir tous les croquis, les dessins d'époque, toutes les pochettes de consoles aussi, de jeux plutôt, toutes les pochettes de jeux que Sonic ont fait. Et là, je me remémore notamment le Sonic Adventure sur Dreamcast. La Dreamcast, ma console préférée. Même aujourd'hui, vraiment, j'ai été très triste quand elle a disparu, cette console. Et elle proposait pas mal de très bons jeux. Et là, ça fait plaisir de revoir justement tous les dessins d'époque et de tous les personnages qu'il y a eu dans le monde de Sonic. Et vraiment, 20 ans, c'est beaucoup, quoi. Il y a de quoi faire, il y a de quoi retracer cette fabuleuse histoire qui n'est pas prête de se terminer, j'espère. Voilà pour cet artbook vraiment très sympa. Alors ici, on va s'attaquer à la pièce maîtresse de ce collector, car vous vous doutez bien qu'avec cette taille-là et les petits goodies, les petits collectors que j'ai sortis, bon voilà quoi, il y a encore du lourd à venir. Alors, je vais pousser cette boîte ici. J'ai de la place sur ma table. Et on va découvrir vraiment dans cette boîte ce qu'il y a pour les 20 ans de Sonic. Et je peux vous dire que ça vaut le coup, car alors c'est encore dans son plastique, hein. Je n'ai rien déballé de ça là, pour l'instant. Hop. Et voilà, on va le pousser. C'est une magnifique statuette, vraiment collector et vraiment imposante, de Sonic les 20 ans. Regardez-moi ça. Autour au centre d'un anneau, au centre d'un anneau, les deux personnages de Sonic, Sonic version old et Sonic version next, je veux dire, j'invente des mots, ont présenté ici. Alors vraiment, c'est impressionnant, c'est assez grand et c'est une belle pièce pour votre collection. Si vous êtes collectionneur et que vous avez une vitrine par exemple, ça va faire magnifique sur celle-ci. Et voilà, c'est vraiment, regardez tout ce que ce collector propose, si c'est pas magnifique quand même. Pour les 20 ans de Sonic, on a droit par Sega, un très beau collector, et on peut dire vraiment merci Sega. Pour les connaisseurs ou non de Sonic, je pense que franchement, rien que pour les magnifiques objets, ça mérite d'être possédé. Et voilà, pour les 20 ans de Sonic, faut fêter ça. J'espère que ce premier numéro de GRM Unboxing Collector vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous pour de prochains unboxing. Et voilà, en attendant, portez-vous bien et amusez-vous bien. A ciao, tout de suite sur le site. N'hésitez pas à venir sur le Facebook et sur le Twitter. À bientôt, les amis.